Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. T'as bugué. Oui, j'ai bugué, oui, ça arrive souvent. T'as dit quoi, bonjour à tous et je sais pas quoi. Bonjour à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la NVA 12. Non, ça serait un rêve ultime de faire la NVA, mais c'est la NVB 12. Avec peut-être aussi Palastre Torishin, bien sûr, comme on a vu dans la NVA, dans la NVB 11. Il y a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme problème? La douille est mal réglée et elle est pas droite. Si elle est réglée, la douille. Oui, mais pas droite. Ah, bah ça, c'est parce que mon avis, elle a du problème. Non, et BF 250, celle-là, elle a un BF 400. Oui, mais c'est BF 400. Ah, elle a un pari en 400, ça. Oui. Oh. Oh là, c'est bien. Donc, du coup, on pourra regarder. Franchement, c'est le mien que j'apprécie beaucoup. Bon, par contre, les tailles 12, j'en ai pas des masses. Bon, j'ai le combo, c'est-à-dire j'ai la NVB 12. J'ai la Krilat 12, je crois, oui. J'ai vraiment pas mon luminaire. C'est vraiment, j'ai un truc de ouf. Même pas mon film. J'ai la Krilat 12. Ça existe pas des luminaires comme ça, mais plus petits? Non. La NVB. La NVB 10. Ah non? Bah non, les NFB10, c'est compliqué. Ah. Donc, du coup, on va pouvoir commencer un petit peu le lampataire. Lampataire, Torishin, techniquement, Torishin. Si tu pourrais baisser la caméra, parce que c'est lourd, cette merde. Merci. Voilà. Oh non, on voit plus, je suis bien. T'as passe. Bah, vas-y, prends-la. Oh, ah, j'ai lourd. Si t'as pas de force aussi, ah, bah, je te le dis, tu veux la prendre. Voilà. Oula. Donc, la NVB12 est très grosse. Attention à ton dos. Ah, waouh. C'est très lourd. Donc, et en plus, il manque un truc là, mon avis. Non, c'est normal. Donc là, douille qu'on aime bien, on tasse de chez Legrand. Avec tout le système, un peu comme les derniers coups. Avec l'étiquette qu'il y avait ici, qui n'y est plus. Donc ça, je pense que c'est première génération. Donc on va être sur le cul quand on va l'ouvrir. Mais en parlant de l'ouvrir, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir? Ok, on va l'ouvrir. J'ai envie de l'ouvrir. Allez, ouf, on ouvre. Pas très propre. Ouais. Ah ben ça, c'est elle est restée en verticale pendant un bon bout de temps. Alors, les petites vivis des familles. Alors franchement, ça va faire plaisir. Ce que je vous dis, je l'ai déjà vu celle-là par contre. Tu l'as récupéré où celle-là? Celle-là, j'ai récupéré sur eBay, je crois. Oh. Mais c'est tellement satisfaisant de voir cette lanterne-là. Surtout le palace sur Torishin, vous allez être sur le cul. T'as bon gros condo de merde que tu devrais virer. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, il est gros. Celui-là, c'est cool à mon avis. Le luminaire, tu le vas plus le voir de la même couleur. Ça, je te le dis. Alors, du coup, c'est un Philips BHL. Par contre, ce que je peux faire, tirer sur le domino. Non, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Tire le domino. À mon avis, c'est une mauvaise idée parce que t'as des trucs qui craquent là. Ah, wow. Voilà. Donc, le ballast. Celui-là, je peux vous le démonter. Voilà. Philips HPL. HPL 400 watts. Et HPI 375 watts. Oui, c'est les anciennes versions de machin. Donc là, c'est vraiment une BHL. Un BHL en 400. De qualité. Donc c'est un ballast mercurieux dur qui se faisait déjà à l'époque. Mais celui-là c'est pareil. Ah oui, il bouge. Il bouge un peu, ouais. Mais franchement, bon, c'est un ballast traditionnel ferro de l'époque. Il est toujours un petit peu en bon état. Franchement, ils sont en bon état en plus. Ils sont pas pourris, ils sont pas rouillés. Ça se voit que dans les années 70. Alors par contre, le condo, malheureusement. Je pourrais pas le dire, il date de quand. Je pense que c'est pareil, années 70, hein, 76, 77 à peu près, dans ces coins-là. Mais à franchement... mon avis, tu peux virer le condo. Hein. Je dis de le virer. Parce que vu la gueule qu'il a, j'ai pas pour ta lanterne. Non, pour l'instant ça va. Mais pour l'instant ça va, jusqu'au jour où. Mon moment fatal. Ah, bah. Non, parce qu'il est bien soudé, donc du coup ça va, c'est pas méchant. On va peut-être remettre ça. Moi j'aime bien ces systèmes de domino comme ça à broche. Mais je sais pas pourquoi, mais ça s'achète dans le magasin de bricolage. Les dominos broche, ça se branche, ça se trouve facile, mais ça commence à se raréfier par contre. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Non. Je me lâche, tu veux. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup en fait. C'est vraiment des bons ballasts. Hein. Ça oui.
J'aime bien. Mais franchement... Moi, j'aime pas trop ces douilles-là. Ils te mettent des douilles, genre, comme ça, gros, alors que t'as un truc de merde. Au lieu de faire simple, genre des doubles grands, des petits trucs, là, de VM, là. Bah, les VM, ils en ont eu aussi, des ballast, des douilles comme ça. Comme ça, bon. C'est pas ouf. Moi, j'aime pas. Demain, je suis content, je vais récupérer des lampes de terre. Voilà. Franchement, on le voit très bien, ça, tu vois, c'est du bleu martelé, mais comment... Ouais, c'est pas ton bleu dégueulasse. Quoi. Ouais, mais ça, c'est du poly... Comment du... Poly... Pas polyester, c'est du... Comment... du thermolacage. Et moi, je vais la faire comme ça, un thermolacage, le bleu martelé. Oula, d'accord. Voilà, avec la doudouille. Ah, moi, j'aime bien les doudous comme ça. J'aime bien parce qu'il y a des trucs ronds dedans. C'est... Alors, le réflecteur, c'est... Ah oui, le réflecteur, c'est mieux aussi. Je crois que je suis une vasque. Ouais. Ah bah tu fais même non. Ça avec moi. Mais franchement c'est un beau luminaire quand même. Ah, déjà, cet luminaire là déjà, j'ai remarqué que la douille n'est pas adéquate déjà. Elle est trop profonde. Elle est trop profonde. Ah ben voilà, je me disais que c'était pas fait pour. Il est mal réglé ta douille, ok. Dans le coup là, mais c'est pas la hauteur, c'est vraiment la profondeur. Dans le coup là c'est compliqué, voilà, regardez. C'est trop profond, donc c'est un peu compliqué. T'as fait tomber la douille. Non, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà la douille. Par contre, la douille, il faut que je la nettoie, il faut que je la démonte. Bah, en fait, les luminaires... il faut que tu le fasses dans ta collection, il faut que tu nettoies tous tes luminaires. Ouais, je pense que je la ferai entièrement. Parce que celle-là, c'est vrai. En plus, déjà, le support dedans n'est pas rouillé. Ça qui est bien. Mais les vis, ah, mais les vis sont pas rouillées aussi. Ça, c'est... Ah, si. Ça commence. L'humidité, oh, elle arrive. Ça, c'est... ça fait un moment, ça. Elle arrive, l'humidité. Mais non, franchement, elle est en bon état pour ce que c'est. Et une NVB12, franchement. Aïe. Ça fait mal, hein. Ouais. Franchement, une NVB12, c'est immense comme luminaire. C'est impressionnant quand même de se dire que ça, ça fait le temps. Donc ça, c'est années 70. Donc du coup, ok. Tiens, prends. Donc maintenant, je sais très bien c'est quoi comme puissance. Pourquoi t'es vieux ? Comme génération, c'est ça qui est bien. Ah bon ? Mais franchement, je suis stupéfait de voir... le luminaire, enfin, bon, la NVA, c'est pareil, c'est un rêve d'obtenir ça. Je ne sais pas si un jour j'en aurai, mais bon, pourquoi pas, peut-être. Mais bon, ça, on y arrivera un jour. De quoi ? D'avoir une NVA. T'avais l'occasion. J'avais l'occasion, et bien sûr, je l'ai pu. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais bon. Ah, bah si on peut y remonter, elle est toujours là-bas. Tempos. Bon. Donc du coup, la prochaine vidéo de lampe à chaîne poupoule. Là, on est pour la 27e vidéo, ça sera la NVF 125. Donc la cloche NVF. NVF 125. On va faire ça, ça va être vraiment bien. Donc j'ai hâte de vous montrer. Bon, bien sûr, il manque un truc. Il manque simplement le support de ballast à l'intérieur. Parce que le truc, quand je l'ai acheté, il n'y en avait pas dedans. Hein. Bravo. Donc à l'occasion, quand j'en trouve une déglinguée, je récupérerai le support de douille. Hein. Ça sera vraiment bien. Parce que c'est un peu compliqué sinon. Donc du coup, on va pouvoir se laisser oui. Là-dessus. Moi, ça fait plaisir. Et on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... Ah, c'est à moi ? Ah oui ? Bon, c'est pas faux.